Une autre thématique traitée dans l'édition particulière de l'ABIAC 21 est les répertoires. Et pour questionner la transmission d'un répertoire, la compagnie Arcaos et la compagnie Sylvie Guillermin ont présenté Parallèle 26. Cette pièce créée 15 ans auparavant traitait de l'enfermement. La finalité du projet, on est allé jusqu'au bout, depuis un an et demi on est dessus, c'était un truc complètement improbable et très fragile à cause de la crise sanitaire. Tout s'est bien passé et cette première était extraordinaire. Alors pour moi c'était magique, c'était comme un cadeau que j'avais attendu pendant 14 ans. Le chemin d'un an et demi, deux ans pour vivre ce parcours et puis ce soir le rêve qui se réalise quoi, parce que comme dit Raquel, comme dit Sylvie, on a vu des pros sur scène, sur un magnifique plateau, une salle formidable. Enfin, c'est beaucoup d'émotions. Hein. On est tous les trois très émus. Ce sont les élèves sortants des deux écoles, le Centre Régional de Formation Cirque Piste d'Azur et le Pôle National de Danse de Cannes qui ont présenté le spectacle à Scène 55 à Mougins, à La Criée à Marseille et à Vitrolles. On est super contente de pouvoir être sur scène. Quand on voit la structure, c'est tout un autre monde qui s'ouvre. Je fais waouh, ça change tout parce que je sais pas, le chapiteau il est pas là, on a l'espace, il est, tu te sens dans le vide, tout est noir, tu vois pas les publics, tu vois pas ce qui est autour de toi, il y a que toi, les autres. La structure en haut. C'est vrai qu'en plus, dans ces conditions, on pensait encore moins réussir à rentrer dans un théâtre comme ça, grand. En fait, je me sens super privilégié dans le contexte actuel de pouvoir jouer dans une salle comme ça, alors qu'il y a des tas d'autres compagnies qui ne peuvent pas du tout. Je pense qu'on est très chanceux. On ne s'y attendait pas, on ne pensait pas forcément arriver jusqu'au bout et pouvoir le jouer. Et maintenant qu'on y est, ben, il faut juste profiter. Ça m'a vraiment apporté énormément d'expérience et de maturité aussi, dans le travail en général aussi, de savoir comment apprendre à être autonome en fait avec son travail. J'ai trouvé vraiment les comédiens excellents, surtout au niveau physique et puis au niveau du jeu. Et voilà, je trouve que le travail est assez impressionnant.